Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Codex Naturalis. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 25 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur du Moyen-Âge où nous allons jouer avec ces merveilleuses cartes d'enluminure. Et justement, ce sera le but du jeu pour obtenir le plus de points possible, les placer de façon intelligente devant soi afin de scorer un maximum de points. Avant de débuter la partie, chaque joueur va recevoir une carte de départ qui l'installera au centre de son espace personnel, laissez-vous un petit peu de place autour, sur la face de son choix. Soit ce côté-là où les ressources, on voit apparaître les quatre différentes dans le jeu, sont installées dans les coins de la carte, ce qui veut dire que plus tard, quand vous installerez d'autres cartes, eh bien peut-être que vous pourrez les recouvrir. Soit alors de l'autre côté où cette fois-ci les ressources sont au centre de la carte, donc elles ne seront jamais recouvertes. Et il y a des coins libres pour poser les cartes. Alors en fonction de celles que vous aurez, eh bien vous aurez plus ou moins d'avantages. Si vous avez seulement 2 ressources au centre face visible pour ce côté-là, vous avez en revanche 4 coins où vous pourrez installer des cartes. Mais si vous avez 3 ressources permanentes, cette fois-ci vous n'aurez plus que 2 coins. Donc à vous de choisir le sens que vous voulez utiliser. Il y a même cette version-là avec une seule ressource, 4 coins recouvrables et 2 ressources dessinées dans les coins. Après avoir installé votre carte de départ, vous choisissez votre couleur de pion, vous en positionnez un sur votre carte de départ pour vous rappeler quelle couleur vous avez, et un autre sur la case 0 de la piste de score. Maintenant, nous allons piocher quelques cartes pour avoir une main de départ. Sur le centre de la table sont installés 3 types de cartes. Vous avez les cartes ressources, 2 sont placées face visible. Vous avez les cartes dorures, 2 sont placées face visible. Et les cartes objectifs, 2 sont placées face visible. Alors la différence entre les cartes ressources et les cartes dorures, eh bien, c'est que les cartes dorures sont plutôt des objectifs, même si parfois on peut gagner des points avec les cartes ressources, on les différencie bien avec leurs bords qui sont dorés. Pour votre main de départ, vous allez piocher 2 cartes ressources et une carte dorure. Vous allez également piocher 2 cartes objectifs sans les montrer aux autres joueurs et vous allez en choisir un que vous installerez face cachée à côté de vous. Vous pourrez le consulter tout le long de la partie. Il n'y a que vous qui scorerez votre objectif personnel, alors que les 2 qui sont installés au centre de la table seront des objectifs communs. Ils dicteront un petit peu comment faire des points de victoire. Après avoir déterminé le premier joueur qui reçoit le jeton premier joueur, chaque joueur va jouer son tour de jeu dans le sens horaire. Un tour de jeu est très simple, il est composé de 2 étapes que vous devez faire et dans l'ordre. En 1, vous devez jouer une carte de votre main sur votre aire de jeu et en 2, vous recomplétez votre main pour avoir 3 cartes en main à la fin de chacun de vos tours. Comment est-ce qu'on joue une carte de sa main? Eh bien, vous allez choisir une des 3 cartes et l'installer dans votre aire de jeu en recouvrant une ou plusieurs cartes. Alors attention, les illustrations doivent toujours être installées la tête en haut. Regardez, ça ne ressemblerait plus à rien si on les mettait la tête en bas. L'enluminure, c'est quelque chose de méticuleux. Vous devez absolument recouvrir un ou plusieurs coins visibles sur une ou plusieurs cartes déjà installées. Qu'est-ce que c'est qu'un coin visible? Eh bien, chaque carte a bel et bien 4 coins, c'est le cas dans tous les jeux, mais ici, eh bien, on a des coins qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Peu importe qu'il y ait des ressources à l'intérieur ou non, par exemple ici, il y a bel et bien 2 coins visibles. Vous ne pouvez pas recouvrir 2 coins d'une même carte, vous pouvez recouvrir 2 coins de 2 cartes différentes. Et on a parfaitement le droit de recouvrir un coin visible avec un coin non visible. L'inverse, en revanche, ne serait pas possible. Si j'ai une carte plus tard qui est installée comme ceci, je n'ai pas le droit de la recouvrir comme ça. Alors moi, j'ai installé cette carte, mon tour est terminé. Je recomplète ma main à 3 cartes et je ne l'ai pas choisie par hasard. En effet, maintenant qu'elle est installée, j'ai 2 feuilles et une cloche qui apparaissent très lisiblement. Eh bien, ça tombe impeccablement bien puisque ma carte dorure me demande, et c'est le cas de toutes les cartes dorure, d'avoir une condition de pause. Il faut bien qu'il y ait 2 feuilles et une cloche. Donc, à mon prochain tour, quand ça reviendra à moi de jouer, je pourrai maintenant poser cette carte dorure
qui va me permettre de scorer des points. Je la pose où je veux en respectant les règles, mais j'ai même le droit de recouvrir une des ressources des conditions de cette carte-là. Une fois installée, on compte immédiatement les points. Dans cet exemple-là, je vais gagner un point par parchemin visible en jeu au moment où je pose la carte. Attention, si plus tard vous rajoutez des parchemins, vous ne pourrez plus les compter. Précision importante, si jamais le recto de ces cartes, que ce soit les ressources ou bien les dorures, ne vous conviennent absolument pas, eh bien vous avez le droit de les installer sur le verso où vous voyez toujours au centre une ressource apparaître, toujours disponible. Après avoir réalisé la première étape de votre tour de jeu qui est de jouer une carte, vous devez faire la deuxième étape qui est d'ajouter une carte à votre main. Et bien là, vous avez plusieurs choix possibles. Soit vous prenez une des cartes visibles en face de chacune des pioches, attention, on ne touche pas aux objectifs communs, soit vous prenez au hasard une des cartes sur le dessus de la pioche. Si vous prenez une des cartes face visible, n'oubliez pas de compléter immédiatement la ligne avec la carte suivante. Les cartes dorures vous permettent de marquer des points de façon différente. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a celles qui vous permettent de marquer un point par objet visible. Mais on trouve aussi des cartes qui vous permettent de marquer 3 points bruts, il suffit d'avoir réussi à poser la carte, ou bien alors 5 points bruts. Et enfin, il y a la carte dorure qui vous fait scorer 2 points par coin visible recouvert. Donc si j'arrive à poser cette carte à cheval sur ces deux-là, eh bien je remporterai 2 points pour ce coin et 2 points pour ce coin recouvert, en l'occurrence 4 points de victoire. Et puis certaines cartes ressources peuvent aussi vous faire marquer un point de victoire au moment où vous la posez. C'est le cas pour les cartes ressources et les cartes dorures. On n'oublie pas, on marque tout de suite les points dès qu'on les a installés dans son aire de jeu. Ça a son importance pour la fin de partie. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur atteint les 20 points ou bien les dépasse, ou bien alors s'il n'y a plus de cartes à prendre au centre de la table. À ce moment-là, on termine le tour en cours, puis chacun joue une dernière fois. Et la partie est terminée, on n'a plus qu'à compter nos points de victoire. Chaque joueur compte les points des cartes objectifs, son objectif personnel et les objectifs communs. Dans mon exemple, ici, je vais avoir 2 points par paire d'objets visibles, en l'occurrence ici les plumes. J'ai 2 plumes visibles, je marque tout de suite sur le plateau de score 2 points de victoire. Ensuite, je regarde les objectifs communs. Je peux avoir 2 points par paire de parchemins. Je n'ai aucun parchemin dessiné. Et puis, même si j'en avais eu un seul, je ne marquais pas les points. Il y a aussi des cartes qui vous permettent de gagner des points en fonction de la disposition des cartes selon votre aire de jeu. Attention, il faut toujours respecter le sens et les couleurs des cartes. J'ai réalisé cet objectif une fois, donc je marque 2 points supplémentaires. Dans le jeu, on trouvera également des points par lot de 3 ressources identiques ou bien par lot de 3 objets dessinés ici sur les cartes objectifs. On a également d'autres dispositions de cartes. Attention, hein, je l'ai dit, on respecte toujours le sens et les couleurs. Si j'avais eu cet objectif-là, malgré mes 2 cartes, ici rouge et la verte, et eh bien je ne le marquais pas car ce n'était pas dans le bon sens. Bref, vous avez de quoi faire dans Codex Naturalis. Bien évidemment, le joueur qui totalise le plus de points en fin de partie remporte le jeu. Vous n'avez plus qu'à rejouer. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles du jeu Codex Naturalis que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartempion, et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien !